Donc aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dégustation parce que je sais que vous aimez ça. Donc aujourd'hui la famille, on va se retrouver pour une dégustation. Donc en boisson, j'ai pris un coca avec des frites. Enfin, j'ai pris des frites et du poulet. Et là, vous pouvez voir toutes les sauces que j'ai prises. Alors, je l'ai pris dans les, vous savez, les restaurants les MV Chicken, la MF Chicken, je sais pas comment ça s'appelle. Donc attendez, je vais voir si c'est pas écrit quelque part. Ouais, c'est Chickenville, voilà, je me rappelle, c'est Chickenville. Et puis, on va tout simplement commencer la dégustation et on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, famille, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, on va commencer la dégustation et en premier, on va tester les frites. Par contre, je vais pas vous mentir, la famille, elles sont très molles, mais je sens que c'est un peu des frites, tu sais, du ghetto et tout. Genre, je sais que c'est bon, ça se voit, tu vois. Par contre, c'est très gras. Donc, on va tester la famille là. Après, je teste avec la sauce. Elles sont pas très salées, mais elles sont bonnes, je vais pas vous mentir. Je vais tester avec la sauce parce que c'est quelque chose de très important. Ouais, je confirme. Très bon. La famille là, là, on va ouvrir l'algérienne. Pour ceux qui savent pas, l'algérienne, c'est ma sauce préférée. Hein. Je vais pas vous cacher des choses. C'est vraiment ma sauce préférée, mais vraiment, vraiment. Après, il y a des sauces que j'aime bien, mais l'algérienne, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc là, je vais mettre l'algérienne. C'est un peu dur à sortir parce que je l'ai mal coupé. Voilà la famille. Donc là, on va tester les frites avec l'algérienne. Attendez, je prends une plus grande frite. Oh, par contre, celle-là, elle pique. Je crains pas l'algérienne, ça pique pas trop, mais celle-là, c'est pas tout le monde dedans. Famille, c'est vraiment très bon. Très bon. Avec la gérène, ça passe crème, mais vraiment. En plus, là, vous voyez bien que j'ai beaucoup de frites. C'est pas comme au McDo, ils me mettent 4 frites et voilà. Donc, franchement, là, c'est blindé. Franchement, ces frites, c'est pas mal. Donc, la famille, là, on va se retrouver pour la troisième partie. On va tester poulet. À tout de suite. Re la famille, donc là, on se retrouve pour la troisième partie et on va tout simplement tester le poulet. Waouh, il est croustillant. Je sens qu'il va être bon. Donc, on va tremper. Non, on va le manger d'abord nature et après, on va le tremper dans la gérène. Donc, on doit stress. La famille, il est très croustillant. Très croustillant, mais il est bon. Mais en fait, il faut savoir que je suis allé de Marseille à Noailles jusqu'à ici chez moi. Et la famille, c'était vraiment. Ça refroidit en fait. Ça refroidit, du coup, c'est un peu. Ça a pas la même texture que ça devrait être. Vous voyez, quand ça refroidit, ça durcit aussi. Mais on va retaper un croc pour conformer. On doit se laisser. Non, la famille, il est bon, il est bon. Je vais finir ça et on va essayer de la gérer. On va mettre les cadavres ici. On va tester avec la germe. C'est parti la famille. On va tester ça. Allez, je vous montre vite. Ça change tout la sauce. Ça change tout. Prends un peu de frites. La famille, c'est vraiment trop bon, je vous conseille. Pour ceux qui habitent à Marseille, allez tester. C'est à Noailles, ça s'appelle Chickenville. Trop bon. Et je crois qu'il y en a, pour ceux qui habitent pas à Marseille, je crois qu'il y en a hors Marseille. Il n'y a pas qu'à Marseille, mais parce que je crois que c'est une ville. Je suis pas sûr. Peut-être que je comprends quelque chose d'autre. Je suis pas sûr. Oula. Donc là, la famille, là, on va manger une deuxième. Et puis on va passer à la quatrième partie. Je vais bientôt ouvrir la canette. Vraiment bon.
du croustillant, c'est très bon. La cassant de nœuds. La famille, c'est vraiment très très bon. Je vais pas vous mentir, mais. Franchement, la famille, en vrai. Dites-moi dans les commentaires. Imaginez le poulet, ça n'existe pas. Je serais dans la merde, mais en vrai. Le poulet, ça n'existe pas, putain. Après, il y a autre chose, mais quand même, le poulet. C'est quelque chose. Bon, la famille, on va voir la canette. J'ai les mains grasses. Je crois que je l'ai fait bien remuer dans le sac. J'en ai voulu ouvrir. Ouais, c'est bon, j'ai plus de gaz. Bon, la famille, on va taper une Jaeger Windows 16, là, ça va être magnifique. Wouah! Franchement, la famille, je vous conseille vraiment d'aller à Chickenville. C'est vraiment quelque chose de très très. Et c'est pas cher en plus. Hein. Là, j'ai payé pour deux menus comme ça, là, 15 euros, je crois, j'ai payé. Enfin, après, si vous avez le budget, mais franchement, c'est bien pour le prix et pour la quantité. Bon, la famille, là, on va se retrouver pour la quatrième partie. Donc, la famille, là, donc là, on se retrouve pour la quatrième partie. On va faire la conclusion. Franchement, la famille, là, je vous conseille vivement tous d'aller à Chickenville. C'est vraiment quelque chose. Ici, je suis pas sale, mais franchement, la famille là, c'est vraiment une dinguerie, une grosse dinguerie. C'est vraiment de la frappe. Franchement, bon, les frites, je sais pas pour faire de la mauvaise pub, mais les frites elles sont un peu molles et tout. Mais franchement, elles sont très bonnes. Et pour la quantité, ça vraiment ça va. Donc, je vous remontre un peu. Enfin, là, il reste plus grand chose, mais voilà, c'est vraiment c'est blindé. Je sais pas, c'est blindé comme on peut dire, mais c'est franchement, c'est une dinguerie. Donc voilà la famille là, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À la prochaine.